Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport, chaque samedi 20h50, 50 minutes pour vous parler sport dans notre émission, notre rendez-vous bien sûr de chaque week-end. Et pour ce soir, c'est la Coupe de la Confédération qui sera le socle de notre débat. Le Daring Club Motema Pembe, le tout-puissant Mazembe Anglebert et les Saint-Éloi Lupopo, le 3 représentants de la RDC à la Coupe de la Confédération, vont en tout cas débuter la phase de groupe. C'est dimanche 14, 17 et 20 heures. Ce sont là les heures de nos trois représentants, les heures des matchs de nos trois représentants. Et après, nous allons parler aussi de la Ligue nationale de football. La Ligue qui a déclaré en tout cas être incapable de pouvoir continuer le championnat de la Ligue nationale, le championnat national bien sûr. La Fédération congolaise de football avait convoquer une réunion, on attend la suite de ces assises. Et pour cela, deux invités, Francis qui nous vient de partout, je veux dire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Josh Moukania, bonsoir également aux téléspectateurs de Innov, la chaîne qui innove. Une première de faire notre entrée sur ces beaux décors et plateaux pour parler sport dans sa médiation. Comment vous vous sentez d'entrée? Vous sentez très bien chez nous? Je suis mieux, hein, je me sens mieux et habitué déjà à affronter la presse, pourquoi pas l'actualité. Sam Moutoni de l'autre côté, bonsoir Sam. Bonsoir Joyce, bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à tous les amoureux de Samedi Sport. On dit que vous aviez été très violent envers le dirigeant du sport en RDC la semaine passée. En tout cas, avec tout ce qui se passe, on ne peut pas mâcher nos mots. Nous sommes parmi ceux-là qui veulent voir les choses avancer et en tout cas, ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Ouais. Vous voulez voir les choses avancer? Est-ce que vous pensez que chez Daring Club Motema Pembe ça avance? Puisque c'est dimanche déjà, en Côte d'Ivoire, le Daring va croiser la SEC Mimosas. Par rapport au Daring Club Motema Pembe, en tout cas, je voulais, avant de parler de sa préparation et de sa sortie de demain, effleurer un sujet qui m'a beaucoup dérangé. Allez-y, allez-y. Un sujet qui m'a vraiment beaucoup touché, cette histoire de résiliation de contrat de 5 joueurs qui après ont été reconduits et ont voyagé avec l'équipe pour c'était pas affronter... C'était pas un coup de pression. Ces joueurs-là, on a décrié, hein, selon les dirigeants du Daring, ils n'ont pas pris part à la préparation, mais ils prennent quand même le vol ensemble avec les autres. Est-ce qu'ils seront importants pour le groupe? En tout cas, moi, je me suis posé multiples questions, hein, parce qu'on ne peut pas faire des choses de cette manière-là. Le club a résilié le contrat de 5 joueurs sans leur consulter. Or, nous savons tous que quand il s'agit des contrats, c'est deux parties qui se mettent ensemble, qui se mettent d'accord sur certaines choses pour avancer. Mais quand vous résiliez un contrat de manière unilatérale, est-ce qu'il y avait un contrat? Ah, on se pose des questions parce que j'ai entendu des rumeurs qui circulent sur le fait que les joueurs n'ont pas participé aux entraînements, ne sont pas venus au centre d'internement parce que réclamant leur dû. Et c'est ces coups de pression-là qui a fait que l'équipe a eu à résilier le contrat de ces joueurs-là. En tout cas, moi, j'ai entendu beaucoup de supporters du dernier club Motema Pembe. Beaucoup s'attendaient à ce que, après la venue de M. Paul Kassembele, que les choses changent. Mais c'est comme si cette légèreté, cet amateurisme au niveau de l'administration ne change pas. Parce qu'on ne peut pas faire les choses de cette manière. Et je dis ici, je crois, et j'assume mes propos, que s'il y a une chose qui a motivé le retrait, cette repentance-là de l'administration, de redonner la chance à ces joueurs qui ont été résiliés, de revenir dans le groupe, c'est à cause du fait que le dernier club Motema Pembe n'avait pas un effectif avec beaucoup de joueurs pour jouer à cette compétition. Le dernier club Motema Pembe avait envoyé la liste de 16 joueurs, 5 ont été déclarés illégitimes, il n'avait que 11 joueurs, 2 gardiens. Donc si aujourd'hui le dernier club Motema Pembe partait, il allait avoir un gardien qui allait jouer le rôle d'un joueur. Enoch Amalandouak, oui, bon, il pouvait jouer. Hein, même il pouvait, mais atteindre cette dimension-là pour un club qui joue les interclubs de la CAF, c'est une honte. Et moi, je le dis ici, s'il y a une chose qui a motivé cette repentance-là de l'administration, c'est parce que la majeure partie de ces joueurs-là qui réclamaient leur salaire sont des cadres de l'équipe. Il y a Ricky Touleng qui est un vieux déjà, il y a Kangalombo qui montre des belles choses, il y a Bomet qui est un doyen. Et ils ont vu que sans ces gens-là, certes, l'équipe ira, mais on n'aura pas de résultats probants. Et ils ont eu à faire ces retraits-là pour donner la chance, peut-être, que s'ils partent et que ça ne réussit pas, ils rebondiront sur ça et chasseront ces jeunes. Et moi, j'ai fustigé cette manière de faire les choses qui ne reflète pas l'image du club que nous connaissons, qui a ce niveau-là. Résilier un contrat de manière unilatérale, alors qu'un contrat, c'est deux parties qui se mettent d'accord avant que chacun parte de son côté. C'est une preuve que
il y a de l'amateurisme au niveau de cette administration. Et pour parler de son match de demain, en tout cas, moi, je ne suis pas emporté. C'est à l'image du Chane. Bah, on doit le dire, parce qu'on va certes effleurer le sujet du championnat, mais moi, le dernier club Moté Mapembe ne m'inspire pas confiance dans les interclubs de la CAF. L'équipe avait passé 8 ans de 17 sans jouer les phases de groupe. Quand l'équipe est revenue en phase de groupe en 2019, si je ne me trompe, ils ont été éliminés avec 10 points. 10 points, même nombre de points avec le deuxième, mais vous rentrez quand même chez vous. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'une malédiction, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette équipe pour l'empêcher de gravir certains échelons. Et s'il faut parler du match demain, je rappelle que l'ASEC venait d'être sorti en Ligue de Champions. Mm-hmm. C'est une équipe qui montre des très très belles choses. Le championnat ivoirien est relevé. C'est un match qui sera très dur pour cette équipe qui, au-delà du fait que n'a pas assez d'arguments offensivement, a des problèmes qui dérangent les joueurs de manière émotionnellement, mentalement, financièrement. Les joueurs ne sont pas stables. Et ça, je crois que ça va affecter leur manière de jouer. Et demain, moi, je ne jure pas par une débâcle, mais je ne vois pas le Darren Clement Moté Mapembe battre. On va revenir sur cette question de Darren Clement Moté Mapembe qui, d'ailleurs, a monté le nombre de son effectif selon l'article que nous avons lu chez notre confrère Désiré Ouamba de Congo Profond. La liste de joueurs du Darren Club Moté Mapembe s'est revue à la hausse. Ils sont maintenant à 25 joueurs. 25, ouais. C'est une bonne nouvelle. Mais on va rebondir seulement aussi sur cette question d'organisation au sein du Darren Club Moté Mapembe. On va dire après plusieurs années, c'est simplement les dirigeants qui dirigent Darren qui sont incompétents. Une question tellement pertinente. Mmh. D'abord, j'ai entendu avec attention l'intervention de mon co-débatteur qui est bien parti. Je ne dirais pas qu'il a tout dit, on pourrait peut-être paraphraser là-dessus, sur cette question des dirigeants du Dernier Club Moté Mapembe. D'abord, avec l'arrivée de président Kassem Béré, plus d'une personne au sein du Dernier Club Moté Mapembe aurait cru à un changement total. Alors que le problème qui ronge... Je n'avais pas oublié que c'est quelqu'un qui avait échoué avant, en 2011. Je le disais. Or que le changement du Dernier Club ne repose pas sur un individu. C'est un problème qui gangrène des générations en génération des dirigeants. On l'a vu également avec Tim Ngavidié qui est venu chasser la malédiction de 16e rue. Voilà, jusqu'à retrouver la campagne africaine. Il a eu au moins imposé. Il a tenté, je peux dire, il a tenté à imposer au moins son leadership et voir les choses aller à sa manière. Mais malheureusement, il y a eu un peu de bâton dans le roue. On l'a empêché d'aller. Coutume chez Darin. C'est un club. Paul Kassembélé, actuellement, il a été à deux doigts de succomber dans le même geste. Il a été déjà au couteau tranchant avec le comité des supporters, surtout avec, je dirais, la façon de jouer, ou ce qui a molesté le club au niveau du championnat national, avec plus de 5 matchs sans victoire, et mais des défaites et aussi rencontres nulles. Une réunion des crises avait été déjà émue avec tous les anciens dirigeants d'un club pour retrouver le slogan « Imana Uni est imbattable », ce qui n'arrivait pas juste à marcher. Sur la question de la rencontre de demain, en Coupe de la Confédération d'Eric Lomoté Mapembe, je pense que le mental des athlètes serait au moins pour l'instant affecté, surtout avec les nuages qui planent, ou les ciels nuagés qui planent sur Eric Lomoté Mapembe, avec le dossier Isaac Ngata qui s'en va en justice contre le club. Un contrat qui avait été signé avec Chimonga, qui revient à l'époque au temps de Kassembélé. Comme ce fut aussi le cas à l'époque de Chimonga, qui a trouvé le problème de ses prédécesseurs. Il a tenté de résoudre, il a encore laissé le problème au sein d'Aring. Et c'est là un moment pour autant, mais pas à ces stades où l'équipe est à deux doigts de s'élancer dans la campagne africaine et il y a ces dossiers qui arrivent. Il y a également l'autre qui pouvait se taire, surtout après l'humiliation à Annaba, c'est Shungoma qui profite de la pluie pour également lancer sa plainte contre... Vous ne voulez pas entendre parler de Shungoma? Non. C'est quelqu'un qui a travaillé pour Darin quand même. Il n'a rien apporté à Darin Club. Il a qualifié le club aux interclubs. Qualifier le club n'est pas une priorité pour un entraîneur. C'est gagner le sac. Pourquoi on doit embaucher un entraîneur? C'est pour des objectifs. Otis Ngoma
C'est d'abord le casting qui a été mauvais au niveau du ministère ni de la fédération. Vous prenez un entraîneur qui n'a rien gagné avec un club congolais et qui n'a pas de club. Bon, ce n'est pas le sujet. Bon, à l'époque, il avait quand même un club. Il était chez Renaissance même sans contrat. Mais il travaillait quand même chez Renaissance. Voilà, et partout, il passe, il est sans contrat. Sans contrat avec Renaissance, sans contrat avec le Léopard à Prime, l'RDC. Donc, ce n'est pas le sujet. Je disais, dans un club, je ne vois pas faire grand-chose. Ce sera une prestation mi-fig, mi-reza demain. Même si le club immaculé nous a deux fois habitués à des belles sorties à l'extérieur. C'est un club qui s'est... qui presse bien à l'extérieur, avec qui peut aussi surprendre. Qui peut surprendre. Ouais. Mais face à l'AS Mimosa, je reste optimiste parce que l'équipe de Mimosa, c'est un club phare au championnat ivoirien. Ouais. Vous avez vu le chaîne, vous avez suivi la présentation de la Côte d'Ivoire avec 70% de l'AS Mimosa. Et même l'entraîneur, on dirait, c'est aussi l'entraîneur. Ne me dites pas qu'avec le football qu'on a vu, ce gène de l'éléphant, produire aux chaînes, et face à cela, face à un club à qui déjà dans sa tenure a de vieilleries, je veux dire, et la plupart des joueurs sont déjà au-delà, la porte de sortie. Par exemple, prenons Baometo Junior, et pas le Baometo qu'on a connu en 2012, 2009, si pas 2014. Même Régis Toulengui, qu'on a vu à Cheval, Imana, Vita, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. D'ailleurs, le poids de l'âge est en train de peser là-dessus. Donc, attendons voir ce que ça va nous donner demain. Imana a des difficultés énormes sur le plan financier et sur le plan organisationnel. Mais si la volonté de mieux faire résulte encore au sein de ce club, ils peuvent nous surprendre, peut-être avec un nul demain. Ils peuvent nous surprendre, peut-être avec un nul. Mais on ne doit pas aussi ignorer que chez Darren Club Motema Pembe, il y a un joueur qui a arraché deux fois le trophée de meilleur joueur du match, Jonathan Ikangalongo. Ikangalongo. On va donner la parole à Sam, vous allez répliquer. Ah, ça, prenez votre mal en patience. Voilà. Et, Jonathan Ikangalongo, qui était, on va dire, le meilleur joueur, le meilleur léopard lors du CHAN. Il a joué aussi face à la Côte d'Ivoire qui a eu en son sein plusieurs joueurs de la SEC Mimosas. Vous pensez que ça sera le fer de lance de cette formation Daring lors de cette rencontre de demain face à la SEC? Je suis de ceux qui croient que c'est un bon joueur, malgré que pour moi la campagne des Léopards à Prima a été une débâcle. Je n'épargne personne, que ce soit joueur, staff technique, fédération, ministère, etc. Mais je crois qu'un joueur ne joue pas seul. Et après tout ce qu'il vient de vivre administrativement avec le club, ça va peser sur son mental. C'est un joueur congolais. Je le dis. Un garçon, il a peut-être vécu pire que ça. À un certain niveau, quand on prend des belles prestations, entre guillemets, dans un championnat d'Afrique des Nations, où deux fois vous êtes homme du match, où il y a des clubs qui vous regardent, et on pense ailleurs aussi. Hein. En tout cas, je dois insister sur ce point parce que, avec ce qu'il a produit, avec ce que les gens ont vu, parce que je ne crois pas que les gens qui lui ont donné le titre d'homme du match deux fois consécutivement ne sont pas au niveau de faire une telle analyse. Mais je crois qu'un joueur qui a, atteint ce niveau. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pensez que Daring ira loin au vu de ses précédentes performances aux Interclubs? Je vais être catégorique. Non, il n'ira pas très loin. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il pense aller loin. Parce qu'une équipe qui veut atteindre un certain palier ne commence pas par jouer. Elle commence par régler des problèmes administratifs, mettre tout le monde d'accord, arranger d'abord du côté de la cuisine interne pour que toute l'équipe soit motivée à aller chercher un résultat. Tout ce qu'on est en train de voir dans cette équipe ne présage pas des bons résultats et des prouesses au niveau des compétitions continentales. Je voulais insister sur Jonathan Kangalombo. C'est un bon joueur, mais je ne pense pas que dans une équipe qui a un tel climat, un tel joueur peut faire quelque chose de grave. Et aussi, quand on a pendu des belles prestations, j'insiste entre guillemets, dans un championnat d'Afrique des Nations où il y a des gens qui vous félicitent, il y a des clubs qui vous regardent, on pense à aller ailleurs. Et quand la tête est ailleurs, les pieds ne font pas bien leur travail. Est-ce que lui vraiment pense aller ailleurs? On va peut-être le voir, on va peut-être tirer des conclusions après, dans les jours à venir. Mais Francis, est-ce que le Daring Club Motema Pembe, vous le voyez aller loin
dans cette compétition, la Coupe de la Confédération. Déjà, vous avez parlé de Ikanga Longo comme fer des lances, mais sans oublier qu'une fer des lances, il y a derrière une canne. On doit tenir également la canne pour enfoncer avec cette fer des lances et faire mal. Si il pourrait être le seul joueur sur qui reposerait la confiance de l'entraîneur, de nouveau entraîneur de Imana. Mm. Donc derrière lui, il doit également y avoir une armada ou une l'ossature pouvant permettre à ces derniers de donner ce qu'on attend de lui. Mais je pense que ça ne sera pas le cas, qui va aller loin. Mais là, c'est sa mouture, dit-on, comme mon co-débatteur l'a déjà dit avant. Imana a de problèmes et cela pourrait également empêcher que ces derniers aillent crescendo dans cette campagne africaine. Au niveau de la préparation, on n'a pas évoqué cela. Comment se prépare un club Motema Pembe avec un sparring partenaire qui n'est pas de taille? Récemment, ils ont joué contre Kouya. Ils ont perdu. Vous perdez. Ils ont joué Kouya. Au CD également. Kouya. Vous prenez Kouya comme sparring partenaire. Pourquoi pas chercher d'être un autre club qui peut être peut-être à des tailles, à rivaliser avec votre club. Et parmi dans cette rencontre, il y a même des joueurs qui ont été sanctionnés. C'était l'absence aux entraînements, mais ces joueurs étaient présents. Ouais, au match du OCD, Kangalombo a marqué, Kitulenge a marqué, mais on parle d'absentéiste. C'était juste une décision précipitée, qui n'était pas peut-être mûrie, ensemble avec secrétaire et quelques têtes de ces comités directeurs d'un club au TMPMB. On ne sait pas actuellement qui fait quoi, et chacun a peut-être la façon de réagir. Une réaction hypodermique de la part du président Kassem Bélé qui encaisse peut-être des coups qui viennent que fils de partout. Et voilà, voulant jouer l'innocent, il revient à sa décision, il remet le 5 ou le 4 des dons. Donc, n'attendons pas grand-chose avec Derek Lhomme au Motema Pembe. Si pas, éviter de couler de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Alors, rappelle très bien, le dernier club Motema Pembe va jouer le match de la première journée de cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération demain, dimanche, face à la formation de la SEC Mimosas en Côte d'Ivoire. Ça sera à partir des 17h. On va prendre la rencontre de 14h. Ça sera tout puissant Mazembe Anglebert Real de Bamako. Une configuration presque similaire à la rencontre du Daring Club Motema Pembe, un centre de formation face au tout-puissant Mazembe qui, lors de ses récentes performances aux interclubs de la CAF, a laissé en tout cas les gens sous les doutes. Le tout-puissant Mazembe, malgré le slogan tout-puissant, depuis un temps, ce n'est plus le club que nous avons connu. Mais seulement, il faut insister sur le fait que si on prend ses récentes campagnes au niveau de la CAF, il a plutôt un bon bilan. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, le TP Mazembe. Tu parles de la Coupe de la Confédération, bien sûr. Oui, je parle de la Coupe de Confédération depuis. Puisqu'en Ligue des Champions, Mazembe. Ah ouais, c'est l'FC Séville de Kinshasa. C'est ce que moi j'ai compris. Quand on comprend qu'en Ligue des Champions, on ne fait pas bien son travail, on descend en bas pour essayer de faire des bonnes choses. C'est comme ça que moi j'assimile le TP Mazembe. La Coupe de la Confédération est devenue le rêve des Mazembe. Voilà, c'est comme l'FC Séville. Quand tu viens, tu sais qu'il y a le Barça, il y a le Real, tu ne vas pas gagner là-bas. Fais quand même un effort de revenir en bas et de montrer ta force. C'est ce que le TP Mazembe fait. C'est depuis 2013. C'est pas le niveau des Mazembe. Permettez-moi de vous interrompre un peu. Ne dites pas que si le Barça n'arrive pas à tenir en Ligue des Champions, son rêve est d'être, de se voir. C'est ce qu'on fustige, parce que quand on se considère comme TP Mazembe. Et là également, on n'arrive pas à tenir. On ne peut pas penser ici. Ouais. Mais en tout cas, si on regarde dans les 10 dernières années, le TP Mazembe a joué 4 fois la Coupe de Confédération. Mm-hmm. Et il a plutôt un bon bilan. Mm. Il a fait une finale qu'il a perdue contre Saxe en 2013. Mmh. Il a gagné l'édition 2016, l'édition 2017. Mmh. Et l'année passée, il vient de perdre en demi-finale. Il a perdu en demi-finale contre Berkane. Mmh. Il a compris qu'au niveau de la Ligue des Champions, bon, c'est là-bas qu'il est tout puissant. C'est pas là-bas qu'il est tout puissant. Il a été tout puissant dans le passé. Ouais. Et là-bas, c'est révolu. Mmh. Et il a quand même fait un casting bon. Il a décidé d'essayer de gagner quand même des titres en bas. Mmh. Mais je crois qu'on ne doit pas minimiser un tel club. C'est le
TP Mazembe qui nous a fait rêver. Les 20 dernières années, c'est le seul club qui nous a ramené. Si on reste sur les 10 dernières années, Mazembe, c'est 3 finales en Coupe de la Confédération, 2 gagnées et 1 perdue en 2013. Ouais. Et c'était d'ailleurs face à Sfaxien. Ouais. Et c'est une Ligue des Champions en 2015, remportée la génération Roger Assale, Buanali Samanta ou encore Sylvain Gbowo. Mazembe aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire avec ces Mazembe qu'on voit aujourd'hui, la même question avec le Darren Clomoté Mpembe, est-ce que ces Mazembe ira loin? C'était le même Mazembe l'année passée. Avant d'abord, vous n'avez pas parlé de la rencontre face au Real de Bamako. Je me dis que ce match, en tout cas moi je donne du crédit à Mazembe parce que c'est un grand. Le Real de Bamako, bah, c'est un jeune club qui commence à faire certaines prouesses, qui viendra essayer c'est quelque pas un chose. Jeune, hein. Non, c'est, jeune c'est, dans c'est, le c'est sens où dans son bilan au mm-hmm. niveau des interclubs de la CAF, ah, ce n'est pas une équipe qui a une certaine réputation. Mm-hmm. Certes, il y a des participations, mais ce n'est pas au calibre du TP Mazembe. Mais je crois que dans le football d'aujourd'hui, sur l'ère de jeu, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. On a vu Vipers mener la vie dure à ces TP Mazembe, l'éliminer. Et je crois que ce club ne viendra pas avec la posture d'un perdant. Mmh. Il va essayer de faire son jeu, essayer de jouer son match. Et ça peut aussi marcher, même si moi, je donne un peu du crédit à Mazembe, qui doit essayer de maintenir sa réputation, non seulement dans cette compétition, mais dans son bilan lors des interclubs. Mazembe a eu le temps de... Ça sera la question pour Francis. Mazembe a eu le temps de garder, en tout cas, une grande partie de son effectif, parce que ce n'était pas beaucoup de joueurs qui sont allés au niveau du CHAN. On va dire qu'il s'est aussi bien préparé pour aborder cette phase de compétition. Non seulement qu'il a gardé à lui seul ses joueurs, mais c'est parce que M. Otis Ngoma a pris les joueurs. Il a pris les joueurs. Non, il a pris les joueurs qui, selon lui, pourraient faire mieux. Il l'a dit. Ouais, ouais. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi le meilleur buteur de championnat n'a pas été présent, vu Anaba, il l'a assumé. Il a dit qu'il n'était pas encore prêt pour jouer le chêne. Donc ces joueurs-là de Mazembe qui sont restés, c'était parce qu'ils n'ont pas tapé aux rétines de M. Ngoma. Bon, je reviens sur cette question pour dire Mazembe est grand de nom actuellement. C'est comme un cadavre d'un serpent qui doit toujours faire peur, surtout la nuit lorsqu'on le croise sur sa route. Et Real de Bamako, contrairement à ce que disait mon frère en face, c'est pas un petit club, c'est un club... qui est sur le même trompe que Stade Malien et d'autres, même si Stade Malien... Lui est connu parce que fréquemment, l'équipe jouait la Coupe de la Confédération, ce n'est pas la Ligue des Champions, contrairement au Real de Bamako. L'expérience qu'il y a qu'à Mazembe, devant le Real Bamako, pourrait aussi jouer sur le mental de ses joueurs. Mais ils sont aussi conscients qu'ils sont face à un Mazembe qui n'est pas dans sa super forme, qui n'est pas les Mazembe des 2009-2008 qu'on a connus. Si déjà un Mazembe s'est fait déverser par Vipers de l'Ouganda, à fortiori, eux aussi pourront faire mieux devant Mazembe. Et si ces derniers jouent à domicile, lorsqu'on joue à domicile, on n'a pas droit à l'erreur, soit on concède un nil, soit on vient à bout son adversaire. Voilà. Et Mazembe a des problèmes que les gens n'arrivent pas à déceler. Ils n'ont pas cette confiance, même au sein de leur tanière de Badiangouina. Ils n'ont pas la confiance. Lorsque Mazembe joue à son stade, c'est comme s'il joue à l'extérieur. On ne voit même plus le public venir en nombre. On était habitué à voir Mazembe. C'est récent, cette élimination, c'était dans ce stade-là. On était habitué à voir Mazembe ne pas perdre un match chez lui à domicile. Jusqu'à ce que ses sacs d'invisibilité aient été déchirés. Et Mazembe qui vous joue peut-être 3 matchs des suites sans gagner par un score de 2 buts à 0, sans convaincre même son propre public. Et c'est là à créer... centre d'ailleurs Boussoundjali qui n'a rien produit au niveau du Chad. Et c'est là à même refroidi le public de Kamalondo qui ne viennent plus assister à la messe de Mazembe. J'ai suivi le manager Kitenge parler sur ce qui sera le prochain mercato de ce club. C'est qu'on n'a pas vu parce que je n'ai vu qu'un gardien camerounais qui vient de regagner la patrie de Mazembe. Uh-huh. Mais il n'y a pas assez de joueurs. Déjà, lorsqu'au niveau de la défense, vous avez des anciens, de vieux loups de Mazembe, qui des fois aussi sont entre le poids de l'âge et aussi l'expérience. Mazembe, il les garde pour l'expérience, mais il oublie que l'âge également est en train de peser sur ses joueurs. Vous avez Kevin Mondeko, un blessé attitré.
qui à chaque fois lui est blessé. Vous avez Kabaso Chongo, vous avez également Issama de l'autre côté, si pas Salif Koulibaly. C'est pas un homme de vieillard. Que l'on garde à tout moment, mais qui n'est plus ces joueurs qui nous faisaient des fois des relances et des contres parfaits au niveau de rond central de Mazembe. Donc Mazembe, je ne me dis pas seulement qu'il doit aller gagner ou il doit gagner, mais ça reste une rencontre qui se jouera sur le niveau physique, parce que déjà, la plupart des équipes maliennes sont fortes. Physiquement, ce sont de grands gabarits, ils doivent jouer également. Et la majorité sont jeunes. De, voilà, trop jeunes. Face à Mazembe. Face à Issama, donc. Là, vous dites, mais Issama, vu ce qu'il vous a produit hein, à Naba. Donc, Mazembe encore du pain sur la planche, vu que le dernier réglage pourrait se faire dans d'ici 48 heures, avant d'avoir déjà le short list qui doit donner la chance à ces derniers de revoir. La chance, parce que déjà, si vous êtes déversé en Coupe de la Confédération, c'est l'étape d'élimination directe. Si vous ratez déjà la manche aller, et que vous revenez, restez à la maison, hein, parce qu'il n'y a pas de championnat aussi. Donc. On va arriver sur ce point-là. Mazembe, le tout-puissant, qui va jouer son match de la première journée, c'est dimanche à 14h, face à la formation de Real de Bamako. Au stade le temple, bien sûr, de Badiangouena, le stade de Kamalondo. Qui ne porte plus Baraka au club de Lubumbashi. Ouais, on espère que demain dimanche, ça va apporter, hein, en tout cas, au vu aussi de la récente visite de. Non seulement. Bon, il a été béni à la messe. La politique est en train de prendre les dessus sur le sport. On ne va pas rentrer dans la politique, bon, bien sûr. C'est ce point, parce que ça fait aussi partie, hein, ouais, si on a besoin de public, parce qu'ils ne joueront pas à huis clos, ils auront la présence de supporters dans le gradin. Bien sûr, la politique, bien sûr, mais on ne va pas entrer dans ces débats-là. On va continuer puis plus tôt avec la rencontre de 20h. Ça sera la rencontre qui va mettre en opposition l'USM Alger face à la formation tant attendue de Lubumbashi aussi, de Lupopo, le Saint-Éloi Lupopo, qui séjourne déjà depuis le mercredi dernier à Alger, où il va affronter la formation de l'USM, comme je l'ai dit d'ailleurs au début de mon speech. Demain, à partir de 20h, heure de Kinshasa, Lupopo, bien sûr, c'est le club tant attendu. C'est de la même manière qu'on attendait Mazembe il y a 12-13 ans, qu'on attend Lupopo dans cette compétition, quand bien même qu'il a participé à cette compétition il y a plusieurs années. Lupopo, c'est un club qui a du vent en poupe depuis... quelques années. En tout cas, j'apprécie ce qui se passe dans ce club-là. C'est depuis la prise de tête de M. Kiaboula qu'on voit qu'il y a des réformes, il y a des choses qui se passent. C'est une équipe qui... Des réformes momentanées ou ça va durer? Non, c'est ça aussi. On doit aussi le dire. Moi, en tout cas, je suis dans le présent. Je suis d'accord sur certaines choses qui se passent. Mais bon, Lupopo, c'est parmi... Bon, je ne peux pas dire le seul. C'est parmi les clubs que je donne du crédit, entre les quatre qui joueront. C'est un club qui n'a pas de complexe. Il a des jeunes qui n'ont pas peur de l'adversaire, qui n'ont pas peur de faire le jeu. C'est une équipe qui a montré des belles choses au niveau des phases à élimination directe. Je rappelle ici que c'est le seul club qui n'a pas été dérangé dans sa manière de jouer. C'est un club qui a toujours pris de l'ascendance sur ses adversaires. Il n'a presque pas encaissé des buts. C'est une équipe qui a montré des merveilleuses choses. Et je crois que cette force-là va l'aider, ces mentales-là va l'aider à atteindre un certain niveau au niveau de cette compétition. Donc je suis d'accord sur le fait que c'est une équipe qui certes a passé un très long moment de 17. Je rappelle ici que la dernière campagne africaine date de 2016, si je ne me trompe pas. Il y avait Raoul Chung à la tête de cette équipe qui a été éliminée en 16e de finale après un cumul de buts partout. La règle d'un but marqué à l'extérieur qui avait pêché de leur côté. Mais je crois que c'est une équipe qui revient en force. Quand vous avez passé beaucoup d'années de 17, vous venez avec une certaine énergie. Et ce que j'aime avec cette équipe, c'est ces manques de complexes-là. Quand on regarde Lupopo jouer, on sent que c'est une équipe.
Ce n'est pas comme les V-Club qui marquent sans faire de jeu. V-Club a évolué. Bon, V-Club n'est pas joué. On va arriver peut-être à son sujet aussi. Mais V-Club a beaucoup évolué. En début de saison, on a fustigé quand même Vita Club. Mais V-Club a prouvé qu'il pouvait évoluer. S'il faut parler de l'AS V-Club, en tout cas personnellement, sa bonne dynamique en début de saison, ne me bluffe pas. Ne me motive pas. De dire que V-Club fera une bonne campagne. Voilà, on va arriver sur la question de Vita Club. En tout cas, j'ai à cracher dessus. Parlons de Loupopo. En tout cas, c'est le seul que moi je donne du crédit. Je crois que dans ce groupe-là, avec deux Maghrébins et un Sud-Africain, je ne vois pas une équipe devant laquelle Loupopo peut abdiquer. Il peut faire le jeu du début jusqu'à la fin, gagner ses matchs sans problème, parce que c'est une équipe qui est formée, qui a une très très belle cohésion, des jeunes qui se connaissent, qui sont motivés à jouer les uns pour les autres, et ça se voit déjà au niveau du championnat et lors de les récentes prestations de cette équipe. Merci beaucoup Sam Moutouni pour ces analyses. On va prendre notre ami en face, Francis Loupopo, déjà plutôt à Alger. Loupopo qui a vraiment, on va dire, très bien préparé sa campagne. On a vu il a enchaîné des rencontres au niveau de la Ligue nationale de football un mois avant le début de la phase de groupe. Il s'est lancé encore dans la préparation quelques jours avant son match de la première journée. Il s'est déplacé vers la Tunisie pour s'acclimater. Il s'est préparé aussi pour cette compétition. Et on sent qu'il y a du sérieux au sein de cette formation. Et vous, en tant qu'analyste, quelqu'un qui a suivi depuis longtemps les performances de cette formation, est-ce que vous pensez que déjà dès l'entrée, le Popo peut surprendre? Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir peut-être à la place de surprendre, nous faire une très très bonne prestation en aller, tout comme en retour, ce ne sera pas Lubumbashi. L'équipe nous a d'abord présenté un très bon profil, un profil de par son recrutement. Kaboul a été arrivé à la tête de ses clubs. On a d'abord il y a eu le out de joueurs qui ont été des anciens et qui peut-être n'arrivaient plus à donner grand-chose. L'équipe est rajeunie. L'équipe a actuellement une très bonne organisation. Et il est sérieux, comme vous l'avez dit au départ. On sait le voir, même de loin. Ça frappe à l'effet FIC, non, Mazembe et Loupopo présentent des sérieux. Même son adversaire ou éternel rival Mazembe reconnaît cela. Si ces deux se rencontraient, je ne vois pas Mazembe gagner Loupopo, l'actuel Loupopo. Ça reste à voir. On attend. Mais Loupopo est très bien organisé pour l'instant. De plus c'est, que... c'est pas l'organisation qui joue sur les terrains. Ça influe sur le comportement des joueurs. Loupopo actuellement n'ont pas d'arriéré salaire. C'est aussi une très bonne très chose. Très bien rémunéré. Ah, mais même avant, Mazembe a commencé à avoir du mal à battre Loupopo. Même que Loupopo avait beaucoup de problèmes déjà. Cette ligne de jeu, Jonathan Masekili, ces jeunes qui jouent très bien, trop jeunes et intelligents, avec le départ de Makoussou et le retour également. Tous ces jeunes-là, ils savent que nous avons un président qui a une main mise et sa main à la patte pour nous booster et nous voir gagner. Donc ils veulent aller loin, ils veulent se voir aussi, pourquoi pas jouer la finale de cette Coupe de la Confédération. Loupopo a tous les atouts pour arriver à ses fins cette saison en Coupe de la Confédération. Donc ce rêve peut prendre forme que si le joueur, comme ils le font actuellement, savent comment donner, quoi faire. Est-ce qu'ils peuvent surprendre déjà dès l'entrée de cette compétition? Je l'ai dit au départ, je vois Loupopo aller loin. C'est le seul club congolais parmi le 3 en Coupe de la Confédération sur qui je jette mon dévolu pour voir un peu une prestation rentable et un football un peu bonifié. Donc c'est un peu ça, c'est Loupopo, contrairement à Direct Club et Mazembe. je ne dis pas cela pour discréditer ou minimiser aussi le club de Mazembe. Mazembe, le respect ne doit pas tomber. Le respect de Mazembe doit rester parce que c'est un des clubs qui reste encore au sommet du football congolais, nonobstant la place que c'est dans la Ligue au classement.
qui n'est pas partiel parce que le championnat déjà semble. Voilà, on va prendre quelques minutes pour parler de la Ligue nationale de football, mais prenons au moins 4 ou 5 minutes parce qu'on tend déjà vers la fin de notre émission pour parler aussi de l'AS Vita Club, quand bien même qu'elle ne va pas jouer la première journée de la Ligue de Champions, le seul représentant de la RDC dans cette compétition, puisque la formation de Wydad Athletic Club de Casablanca était engagée à la Coupe du Monde de Club, éliminé bien sûr, mais le Maroc qui accueille cette compétition a décidé de demander à la CAF de reporter quand même cette rencontre de la première journée entre Vita Club et le Wydad Athletic Club de Casablanca. Mais Vita Club, on le disait d'ici tantôt, vous avez 1 minute 30 pour argumenter. Vita au début, bien sûr, il s'est qualifié jusqu'à la phase de groupe en marquant que 3 buts. 3 ou 4 buts, excusez-moi, j'ai perdu le chiffre, mais Vita a évolué à travers les temps et aujourd'hui, on peut dire que Vita s'est sans prêt pour nous produire du beau football, encore beaucoup de surprises lors de cette phase de groupe. Vita n'a pas évolué. En tout cas, je dois le dire ouvertement, ce club n'a pas évolué. Je rappelle ici qu'après son épopée de 2018, qui a été couronnée par le championnat national et une finale perdue de la Coupe de la Confédération, ce club et l'ombre d'elle-même. De 2018 en 2021, l'AS Vita Club a été éliminé consécutivement en phase de groupe de la Ligue des Champions. L'année passée, d'ailleurs, c'était pire. L'AS Vita Club a été éliminé à la porte des barrages par Marumou, qui est un club, si je ne me trompe pas, joué sa première campagne d'une Coupe de Confédération. Donc c'est un club qui n'a pas évolué. Et le problème avec ce club, c'est qu'ils ont... Je ne sais pas s'ils ont dopé leurs supporters avec une idée selon laquelle que chaque début de saison, il faut avoir cet engouement-là, qu'il y a un nouveau joueur qui est capable de faire certaines choses. Aujourd'hui, c'est l'année de l'ASV Club, on va gagner un titre. Et après, quelques semaines après, c'est la désillusion totale. Il faut des réformes au niveau du club, il faut qu'on change certaines choses. V Club n'évolue pas. Et moi, je le dis au début, je ne suis pas bluffé par son début de championnat, qui est quand même bon, sur une bonne dynamique qu'il a sur... Et jusque-là, invaincu. Invaincu au niveau de championnat. Mais quel championnat ? On va insister sur ça aussi. Quand on regarde la phase éliminatoire avant d'entrer en phase de poule, l'ASV Club a battu Gaborone United par un miracle de Marouf Tchakei. Sans ça, l'ASV Club est éliminé. L'ASV Club contre le Rayo Club Kadiogo. C'est au tir au but que tout s'est passé. Or, ces clubs-là étaient malmenés par Lupopo, que ce soit à l'aller comme au retour. En tout cas, moi, la présence de l'ASV Club dans cette phase de groupe est superfétatoire. C'est une présence de trop, parce qu'on sait tous qu'il ne sortira pas avec le champion à titre dans ce groupe-là, avec l'équipe angolaise, qui va d'ailleurs jouer le 18, si je ne me trompe. En tout cas, moi, je ne vois pas vite à aller loin. Et ce sera le même discours. Après l'élimination, il faudra changer des choses. Il y aura un recrutement. Il y aura des joueurs qui viendront, qui feront quelques prouesses. Et après, il y aura cet engouement-là avant la compétition. Et après, la même scène. L'ASV Club, je ne la vois pas aller loin. Et c'est depuis longtemps. Il n'y a pas de réforme. Et ça continuera comme ça si les choses ne changent pas. 1 minute 30. 1 minute 30. D'abord, quel a été l'objectif de Vita Club au début de cette saison ? C'était la victoire, remporter la Lina Foot ou jouer l'Interclub de la CAF ou la Ligue des Champions et aller jusqu'à la Ligue des Champions pour ne pas gagner quand même. Ou en finale. Déjà, non, mais ils savent qu'ils ne gagneront la question, pas, ça, c'est sûr. La question sur laquelle posera le supporters de Vita Club après l'élimination de cette Ligue des Champions, parce que déjà je le sens, c'est pas que je suis en train d'effleurer l'odeur de l'élimination. Madame Bessine Kazadi, à l'arrivée, a promis de faire de ses camps clubs le Real ou le Barça d'Afrique. C'est loin déjà de voir cette réalité. Grec, vous gagnez au niveau national de la manière qu'on connaît. Vita gagne sans convaincre. Vita se déplace mal à l'extérieur. Vita a battu Mazembe, Vita a battu Lupopo, Vita a battu Daring. Mais ces équipes-là, ces équipes au niveau national, c'est un challenge, un pari gagné pour Vita Club, restons en Ligue des Champions. Vous avez le Wydad Athletic de Casablanca, le champion, donc le Maroc, une nation bien préparée sur le plan sportif. Vous avez Petro Athletic de Luanda en Angola, Petro Athletic de Luanda actuellement deuxième ou premier au classement, si j'ai bonne mémoire. Vous avez enfin Kabylie. Kabylie, vous vous souviendrez de Tizi Ouzou, un stade qui était peut-être
Vous avez utilisé un terme de la boîte de Pandore de Mazembe, il y a un temps, au Tizi Ouzou, vous vous rappellerez. Donc, vous avez trois nations, l'Algérie, l'Angola et le Maroc, face à la RDC. Avec cette production de chaînes. Et on sait ce que produit l'Espect Club à l'extérieur. Hein. Ils gagnent presque jamais. C'est déjà. L'équipe ne gagne pas à l'extérieur. On attend de voir la rencontre retour au niveau de Salle des Martyrs pour jouer Nzombo le soir, crier dans le gradin. Si on parle de tout ça, c'est parce qu'on veut fustiger quelque chose, le championnat. Est-ce qu'on va dire que le représentant de la RDC se sent très bien préparé pour aller affronter les interclubs de la CAF? J'aimerais sauter en premier sur cette question, la préparation de ces clubs au niveau national. Est-ce qu'ils ont utilisé ce championnat comme préparation pour bien projeter les interclubs de la CAF? Comment user d'un championnat qui n'est pas d'abord bien organisé, un championnat où il y a trop de repos, où les joueurs sont déjà, d'autres clubs en avance des rencontres, d'autres sont en retard. Donc avec cette... ils ont quand même privilégié le représentant, hein, Vital. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça, vous le dites vous-même. C'est à vous de parler. Voilà. Ne dites pas qu'ils ont privilégié les représentants. Donc, les représentants qu'on connaît dès le départ, dès le démarrage des championnats nationaux. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres championnats sérieux où on sent que cette saison, on verra WAC, cette saison, on verra Phare du Maroc. Donc, c'est ça qui manque en RDC. Si vous n'êtes pas en mesure d'organiser un très bon championnat, pouvant mettre sur pied ou armer le joueur physiquement, alors, passez à notre formule. Il serait utile de revoir votre formule et de trouver une formule adaptée à votre pays et à votre championnat. Cela nous éviterait de rupture des championnats pendant que les supporters congolais veulent encore regarder le football. Donc, cela va jouer ou va impacter la prestation de nos clubs africains en Coupe de la Confédération. Et comme cela n'avait pas été le cas avec le Popo, son président a permis à ces clubs de pouvoir jouer, se préparer avec d'autres clubs qui ne sont pas peut-être le club du pays. Donc c'est ça, avec ses propres moyens de bord. Mm-hmm. Et pour Rodrigue, qui n'a pas ses moyens, il s'entraîne avec Koulin. Et pour Vita, mais qui peut aussi surprendre. Ce n'est pas excluant, c'est un match de football. La réussite de il faut enlever cette hypothèse-là. Ce n'est pas prémédité, ça ressort de surprise. Bien sûr, est-ce que ces championnats aillent le club? En tout cas, dans ce pays, j'insiste sur le fait qu'on a un problème d'homme. Lorsque, après 3 ans, 4 ans, vous rendrez compte que il y a des choses qui ne marchent pas, il y a une formule qui n'est pas adaptée, qui fait en sorte qu'il y ait des ruptures de championnat. Pourquoi ne pas penser réforme? À quoi a servi les états généraux de sport? Est-ce que ces gens-là ont réfléchi sur des bonnes questions? J'étais parmi les gens qui ont dit. Après, qui ont participé à ces états généraux? De loin. De loin, oui. De loin, oui. Vous n'étiez pas présent à Boulalo. Je n'étais pas à Boulalo. J'ai eu peur pour vous parce que Méline Kanza allait vous attaquer bientôt. Je me suis dit, avant Boulalo, j'étais égal après Boulalo. Le secrétaire Barthélémy Okito, j'ai suivi sur Radio Capi, intervenir sur les questions qui ont les points saillants de Moulalo. Allez-y rapidement. Ces derniers ont manqué comment répondre à des petites questions sur le stade. Une nation, un championnat où on voit de grands clubs, un championnat stoppé par manque des infrastructures sportives. C'est un faux débat. Très, très grande honte. Allez, vous continuez. Voilà, vous avez conclu. C'est un faux débat. Non, mais on doit en parler parce que... Il ne faut même pas parler de ça. C'est un faux débat. Ça fait partie de quoi? L'RDC a organisé deux championnats pendant plusieurs années avec le même infrastructure. Et en 2022, il n'y a plus d'infrastructure pendant que le même bâtiment existe. Mais quel est le fondé? C'est un faux débat. Non, mais... Il faudrait que les choses changent. Non, on doit d'abord se dire des vérités. La Lina Foot gère mal ce championnat. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas. Vous parlez de la foot du comité de gestion. Du comité de gestion. Bosco Mouéou. Il serait à l'Assemblée de Réunion au niveau d'Africa. Son secrétaire général est en train de fermer les stades ici à un RDC. Hein, le secrétaire général de la Lina Foot, c'est lui qui ferme les stades. Kiba Samaliba n'est pas homologué au niveau de la CAF. Il est parmi les inspecteurs de la CAF. Ça ne le choque pas. Mais... parce que quand on ferme un stade, dans un pays où toi, tu es censé faire un travail pour que ces choses ne se passent pas, moi, je ne viendrai d'ailleurs pas. C'est une honte de voir ces messieurs-là rester à la tête de ce comité pour regarder le foot mourir.
Parce que je crois que s'ils avaient des cœurs, s'ils voulaient vraiment qu'il y ait des réformes, ils allaient mettre la main dans la pâte et vouloir travailler pour que les choses changent. Ces championnats auront des répercussions sur les interclubs de la CAF. Loupopo a vu loin. Il est parti s'est préparé ailleurs. Voilà. Il doit commencer à s'y préparer chaque semaine avant de jouer chaque match. Voilà, c'est comme ça qu'un club s'organise. Mais seulement, cette organisation-là ne doit pas être une solution palliative à cause du fait que chez toi, tu ne peux pas faire ça parce que les choses ne se passent pas. Ils veulent que le gouvernement prenne les choses à main. Ah, mais ça, c'est une très très grande bêtise. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Allons là voir si c'est une très très grande bêtise, ça. On sait comment ça se passe en matière d'argent dans ce pays. Je crois que ils insistent sur ça parce que ils savent qu'il y aura des sorties, l'argent viendra, il y aura des magouilles, et puis on sera dans les mêmes choses. La saison passée, l'argent est sorti, mais le championnat n'a pas pris ça. Ah bah, on doit se dire les vérités, c'est pas un problème d'argent. Et ils savent cela, mais ils ne veulent pas que ce circuit-là se ferme parce que... Bon, je m'arrête là. Bon, comment voulez-vous, Josh Moukanya, qu'un individu avec son grand Clomira puisse détourner 4 millions de dollars américains et voir le championnat s'arrêter? Manque des infrastructures, et vous levez la main, vous montez au créneau pour décrier et demander à ce que les choses puissent être assurées par le gouvernement dans d'autres championnats. Je ne vous coupe pas, j'ai vu une photo d'un monsieur de la CAF qui était venu regarder les installations, mais il est sorti avec des cadeaux. Hein. Bah ouais! L'expression, on l'a vu. Parce que son expression faciale montrait déjà que c'est mort pour nous. Juste il y a d'autres cadeaux, ne nous refusent pas, il faut voir les 7 Les à côté, ce sont les à côté. L'image qu'on nous montre, c'est juste le chaise. Mais c'est ce qu'ils montrent, non? Mais quand vous regardez de loin, il y a un drone au-dessus. Voilà, vous voyez l'image du stade, tout est bon. Allez voir les installations. Je rappelle ici que ce qui a fait en sorte que le stade de Loupopo ne soit pas homologué, c'est seulement l'heure de jeu. Hein. C'est seulement la pelouse. Les installations sont très bien. Clean. Mais c'est clean. Sur l'air de jeu que c'est déroulé. Oui, mais voilà, c'est un problème qui peut être réglé. D'ailleurs, c'est le problème central. La CAF n'est pas fermée. Et si Loupopo règle ses problèmes, la CAF peut dépêcher une inspection qui peut... Ça se fera rapidement, mais nous, les installations... Loupopo jouer chez lui, parce qu'ils ont le moyen. Ils ont le moyen, ils vont mettre le paquet et ils vont rejouer chez lui. Ça va se faire. Parce que Loupopo n'acceptera pas de jouer à Kinshasa. Ah, si, avec son public. La rencontre de la deuxième journée plus loin, déjà fixée ici, voilà, à Kinshasa. Plus loin, ils vont aller jouer au Stade Kamalondo. Non, c'est pas la deuxième journée fixée ici à Kinshasa. À Kinshasa, donc, comme on a parlé de la réforme, la Lina Foot, c'est un championnat qui déçoit non seulement aux amoureux du ballon rond, mais aussi à des partenaires. Est-ce qu'il faut venir ou doit continuer à gérer ou il doit prendre le kilo des démissionnaires? Voilà. Le système, le ridicule. On voit certains confrères qui sont en train d'encourager sa gestion, mais là, nous savons comment ça s'est passé. On sait comment ça fonctionne. Et moi, je dis ceci. Le problème, comme on l'a dit, c'est un problème d'homme. Lorsque vous avez M. Chembo à la tête qui gouverne le tout. Un autre fantôme. C'est lui qui peut être de mèche. Il est là, mais on ne sait pas pourquoi. C'est lui qui peut. Non, c'est un ministre de sport, mais qui a échoué presque dans tout le compartiment depuis son avènement. Il préfère aller danser avec les joueurs et puis. À part son cercle d'amis, au niveau de la fédération, il se plaint déjà. Ils veulent que l'on. Il gère tout, un pouvoir centralisé qui doit nous donner la gestion du football. Mais au niveau de la Lina Foot, la Lina Foot est liée directement à la FECOF. Si nous voulons au moins voir le football émerger, si nous ne voulons pas voir la RDC absent en 2025 dans des grandes compétitions, on fait tomber la tête de Chimère, qui est Condé, et après, on redescend au niveau de la fédération avec des élections crédibles, avec des personnes qui peuvent au moins booster les choses. Parce qu'au niveau... Il y a déjà des guerres d'esprit à l'intérieur. Le football congolais, ça ne nous concerne pas, c'est l'organisation qui nous concerne. Actuellement, le football congolais se meurt. Nous voulons un monsieur qui pourrait prendre les choses, redresser au moins le drapeau et nous doter de le respect qu'on avait en tant que nation joueuse. Parce qu'actuellement, la RDC ne reste que des noms. Même dénudé. Face au Barilla, le Madagascar, on ne fait plus le point. Ils sont là, ils sont troisième avec une médaille de bronze. Chan, ils ont fait une sortie par la grande porte à la récente Cannes. Exactement. Tout cela prouve facilement que non. Il y a des fédérations. Alors que qui cette nation de Madagascar n'a pas de grand, n'a pas un Chancel Mbemba, n'a pas un Cédric Bakambu, ils n'ont pas de grands joueurs comme Boulassier ou autres. Tout le monde aurait donné raison actuellement. Mm-hmm. Aujourd'hui, à Florent Ibengué, à chaque fois qu'il disait il n'y a pas de sérieux au niveau de la fédération. Merci le beaucoup, monsieur Carson. Francis Carson, merci aussi à toi, Sam Moutoni. On est arrivé malheureusement à la fin de notre émission. Nous vous disons merci.
remercie de nous avoir suivis. Nous avons donné les programmes de nos trois rencontres, les rencontres de nos trois représentants de la RDC aux à la Coupe de la Confédération. Mazembe qui va jouer Real de Bamako demain dimanche à partir de 14h juste. La SEG Mimosas va recevoir le Darin Club Motema Pembe à 17h. Et l'USM Alger va recevoir aussi la formation de Sainte-Eloi Loupopo de Lubumbashi à partir de 20h. Trois rencontres que la RDC va devoir suivre avec beaucoup d'attention. Nous aussi, nous suivrons ces rencontres avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonne chance à nos trois représentants. On se dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir et portez-vous bien.